J'espère que vous allez bien. C'est mon grand retour de vlog. Pour vrai, là, je suis tellement contente. Je pense que j'ai filmé quoi, 3 ou 4 vidéos depuis mon accouchement. C'était pas des vlogs, c'était vraiment comme, c'est moi assise qui vous jase. Mais en même temps, j'avais tellement d'affaires à vous dire. Là, ça, c'est fait. Alors là, on passe à autre chose. Pour vrai, sans vous dire que j'en parlerai plus dans mes vlogs, c'est pas ça. Mais là, j'avais vraiment le goût. De vous amener avec moi dans ma journée aujourd'hui. Donc, on est le 23 septembre. Je décide de vlogger aujourd'hui parce que, premièrement, je me sens bien. Deuxièmement, faut vraiment que je ramasse ma maison. Je sais que ça a l'air niaiseux, là. C'est pas que je veux vraiment vous amener avec moi pendant mon ménage, mais c'est que je voulais ranger des affaires qui traînaient, mais je me suis dit que je voulais absolument vous montrer. Dans le fond, c'est des achats que j'ai faits depuis quelques semaines. Comme je vous dis, ça s'accumule sur ma table et tout, dans ma chambre et tout ça. Puis avant de les ranger, je voulais vous les montrer. Donc je me suis dit, aujourd'hui, c'est le grand jour. Donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui dans la journée. Faut que je fasse du ménage, comme je vous dis, que je ramasse le bordel. Mais avant, je vais vous montrer mes achats. Et aussi, il faut que je m'occupe de Jade à travers tout ça. Abby est à la garderie. Mon chum, il est parti à un rendez-vous aussi. Donc voilà! Jade que je viens de déposer après l'avoir eu en portage. Elle a eu chaud, elle a les cheveux trempés. Je sais pas combien de temps elle va tenir avant de pleurer à suivre. Là, je voulais vraiment être très transparente avec vous. C'est gênant. Mais je veux vous montrer la réalité. Ma réalité, quand je vous dis que je suis dépassée et que j'ai jamais le temps de ramasser, je vais vous montrer en toute humilité qu'est-ce que ça a l'air. Mon déjeuner, le biberon... Le bordel à Abby. Cette boîte-là, faut que je la descende en bas, mais regardez ça. Tu sais, ça, c'est comme des achats que je veux vous montrer. En tout cas, tu sais, sincèrement, ça fait dur. Puis, je veux pas vous montrer ma chambre parce que c'est encore pire. Donc, c'est ça, faut que je m'attaque à ça. Hello, les girls! Peut-être les hommes aussi qui m'écoutent. Bref, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous montrer mes achats. Je sais pas comment tant Jade va tenir sans pleurer. Mais bon, je vais me dépêcher. J'ai commencé par mes achats Amazon. Là, je me suis rendu compte aussi que ça va quand même être difficile de vous montrer pourquoi j'ai acheté telle affaire sans vous parler du pourquoi. Là. Mais bon, tu sais, oui, je vous ai raconté, j'ai donné des updates, des nouvelles un peu dans mes dernières vidéos. Mais on s'entend que c'était quand même assez de surface. Là. Mais bon, j'ai arrêté d'allaiter en ce moment, ce que je vous parle. Et je voulais avoir quelque chose pour réchauffer mes biberons lors de mes déplacements. T'sais, exemple, je m'en vais au centre d'achat ou comme là, hier, j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital. Donc, c'est ça. T'sais, allaiter, c'est facile. On peut allaiter n'importe où, mais les biberons, je suis quand même vraiment nouvelle dans cette aventure-là. Donc, je voulais un peu avoir quelque chose pour ça. Puis, ça a vraiment venu souvent là, dans les groupes de mamans. C'est le Tommy Tipeee que ça s'appelle. Bref, c'est vraiment rien de fou, là, on s'entend. Là. Mais c'est vraiment comme un genre de thermos, on pourrait dire. Donc, vous mettez votre eau bouillante à l'intérieur. Dans le fond, comme ça, c'est vraiment verrouillé. Puis, c'est ça, quand on arrive à notre... ce qu'on veut donner le biberon. Bref, on pèse le trou... Ça déverse toute notre eau chaude dans le plat de plastique, puis on met ensuite le biberon, on le laisse tremper dedans. Puis c'est ça, ça réchauffe assez rapidement. C'est pas l'invention du siècle, mais pour vrai, je trouvais ça pratique. Puis ça coûtait vraiment pas cher, je pense que c'était en bas de 20$. Donc c'est ça, je trouvais ça pertinent. Je l'ai essayé hier, pour vrai, ça marche vraiment bien. Donc c'est pas trop gros à transporter aussi. J'ai aussi acheté un nouveau mouche bébé parce que là, pour vrai, j'avais lui d'hydratance. Tu sais, sincèrement, avec un deuxième bébé, genre à quel point c'est vraiment intéressant d'utiliser le même mouche bébé. Là. Donc, puis aussi, je trouvais que ça me coûtait cher de filtre. Donc, on change à chaque fois. Puis sincèrement, j'en ai mis des dizaines et des dizaines de dollars dans ces filtres-là. Donc, j'ai regardé pour avoir un mouche bébé sans filtre. Puis ça, c'est... une des vlogueuses que j'écoute, là, Caroline, là, qui en parlait. Et dans le fond, c'est lui de la compagnie Munchkin, comme ça. C'est un peu le même principe que lui, j'avais, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas parce que je voulais plus aspirer, là, tu sais, c'était pas ça qui me dérangeait. Puis, tu sais, je trouve vraiment qu'il va bien, lui, d'hydratation, bien honnêtement.
Mais c'est vraiment juste à cause du côté là, d'acheter tout le temps les frites qui me dérangeaient. Mais c'est le même principe, là, on aspire. C'est juste que c'est ça, ça ne se rend pas dans cette zone-là. Mais on n'a pas besoin de fibres. Ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il y a quand même trois embouts différents. Donc, tu sais, exemple, pour Jade, en ce moment, elle a comme des plus petites narines. Donc, je prends le bout un petit peu plus, plus étroit. Tu sais, il y a ce bout-là, maintenant, si je veux l'utiliser avec un bébé plus vieux et tout ça. Donc, voilà. Bien satisfaite, honnêtement, il va super bien. Puis, tu sais, j'avais comme peur que vu qu'il n'y avait pas de fil, que ça allait peut-être se ramasser, finalement, certaines sécrétions dans ma bouche. Mais finalement, vraiment pas. Donc, ouais, bien satisfaite du produit. Et, troisième chose que j'ai commandée sur Amazon, c'est une caméra. J'en ai déjà une, là, c'est juste que dans la chambre à habits, c'est elle que ma meilleure amie m'avait donnée à mon shower. Là, c'est une Vitek là, avec un moniteur et tout ça. Mais là, je pense que finalement, on ne mettra pas les filles ensemble compte tenu du fait que pour vrai, Abby, elle a le sommeil ultra léger. Jade pleure énormément. Puis je me suis dit, c'est pas vrai qu'ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller une l'autre. Donc, en tout cas, je pense que finalement, il va y avoir un bébé qui va aller dormir en bas, au sous-sol. Puis on est comme en avenue de tout ça. Mais comme je vous dis, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vous en reparlerai éventuellement. Mais c'est la caméra. Mon Dieu, son nom, c'est quoi? L'AxiHub, sincèrement, beaucoup de monde en parle comme de quoi qui est vraiment pas cher. Pour vrai, elle n'a même pas coûté 40$. C'est comme un peu comme une webcam, là, on pourrait dire. Là. Puis, c'est l'application qu'on télécharge, donc on reçoit tout ça sur notre cellulaire. Donc, c'est comme pas un moniteur pour vraiment avoir notre cell, par exemple. Et je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas tout testé ni rien. Là, je viens de la recevoir. Donc, je vous en reparlerai, voir si la qualité est bonne. Puis, tu sais, on s'entend que pour 40$, c'est vraiment pas cher. Parce que, tu sais, si me rééquiper avec un moniteur à 100-200$, je trouvais ça moins pertinent, compte tenu que c'est comme mon deuxième moniteur, là. Donc, c'est ça pour Amazon. Donc, j'ai été au Maxi cette semaine. Puis, j'ai fait des belles trouvailles. Tu sais, un Maxi et compagnie, là, en tout cas. Qui a une section un petit peu plus maison, vêtements et tout. Là, Jade, j'aimerais ça qu'elle prenne la suce, comme ça, elle pleurait peut-être moins dans la journée. J'ai essayé plein de sortes différentes. Elle ne prend pas la suce, donc j'ai essayé des tenues typiques comme ça, je les ai achetées. Je les trouve quand même cute, là, puis sont orthodontiques aussi. Mais ça ne fonctionne pas encore, donc voilà. C'est pas que c'est un achat qui n'a pas marché, mais bon. Elle va peut-être finir par prendre une suce un jour, je ne sais pas quelle. J'ai essayé les Avent Sooties, la Biz, j'ai essayé les Nuques, les Mams. Sérieux, je ne sais pas trop quoi faire. Pas que je veux vraiment qu'elle prenne la suce, c'est juste que c'est ça. C'est... Peut-être que ça me donnerait un répit de plus que 5 minutes, sans pleurs. Donc, je vais juste finir le contenu Maxi, puis je vais devoir aller la chercher pour le reste. Et là, compte tenu du fait que je vais utiliser plus de biberon, j'ai acheté une brosse à biberon. Elle était comme 4$, là. C'était vraiment pas cher. Oui, je m'en viens, mon cœur. Et pour Abby, pour vrai, elle a commencé à manger plus avec la cuillère, puis un petit peu avec la fourchette aussi. Mais elle aime vraiment mieux avoir eux en métal. Eux, ceux-là, je les trouvais super. J'en avais déjà acheté un set, mais là, je les ai oubliés à roulotte. On ferme officiellement notre roulotte le samedi, là. Fait que je vais les ramener, mais tu sais, ça ne fera pas de trop d'avoir deux paires comme ça. Sincèrement, elle les aime full, puis je pense aussi 4$. Pour vrai, je les aime vraiment, vraiment. Et ce fameux tapis que tout le monde parle, le genre d'égouttoir pour biberon, tétine et petite vaisselle. J'aurais vraiment aimé mieux la prendre dans le blanc comme sur la photo, mais en tout cas, il n'y avait pas. Puis c'est sérieux, c'est niaiseux, mais sur Amazon, elle se vend, mais comme 10$ de plus pour l'avoir dans le blanc. C'est quand même pas si grave que ça. Donc, je vais aller chercher ma cocotte et je vous reviens. Thank you.
revoilà. Hein, Jeanne? Ça allait pas? Hein? Comme vous avez pu remarquer dans mes vidéos et tout ça, là, vraiment beaucoup de cheveux, ma cocotte. Elle retient pas de la voisine. Hein? Ça va mieux, là? On va-tu pouvoir montrer nos achats aux amis? Donc, voilà. Prochaine place que j'ai fait, ça doit faire par exemple 3-4 semaines, c'est à l'aubainerie. Vous savez, c'est pas la première fois que je vous fais des hauls de l'aubainerie. En fait, là, en fin de saison, ils font toujours comme des gros spéciaux. Sont comme, les vêtements sont en rabais, puis ils ajoutent un 50% additionnel sur les morceaux. Sérieux, ça, c'est quasiment donné, là. Donc, je me suis dit que j'allais m'équiper, en fait, pour l'année prochaine pour les filles. Donc, tu sais, logiquement, Abby, là, tu sais, elle est vraiment faite petite de grandeur, là, je pourrais dire. En ce moment, je sais qu'elle va pas porter plus grand que du 24 mois ou du 2 ans au pire limite, là. Donc, c'est ça que j'ai acheté. Puis, pour Jade, ben, j'ai pris du 12 mois parce qu'elle va avoir de toute façon 12 mois à l'été prochain. Donc, je pense vraiment que, tu sais, les grandeurs vont être bonnes. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais commencer par Abby. C'est plus simple que je me suis équipée parce qu'on s'entend que Jade, elle va reporter quand même les vêtements d'Abby, là. Donc, je vais vous montrer ça assez rapidement. Sincèrement, là, les petits chandails comme ça, je pense qu'ils m'ont revenu quasiment à 1 ou 2 $ là. C'était ridicule. Donc, un petit chandail rose comme ça, tout simple. Un chandail aussi blanc comme ça. Je suis heureuse. Pour vrai, j'étais un petit peu tannée des arcs-en-ciel, mais là, bien honnêtement, au prix qui me revenait, c'est ça. Je l'ai pris. Lui, j'aime bien. Un petit jaune comme ça. Bonjour soleil. Je le trouvais vraiment beau là, pour l'été. Donc, vraiment, comme je vous dis, il était 7 $ en spécial à 50% plus un 50 par-dessus. Je vous dis, ils m'ont quasiment donné les chandails. J'ai pris aussi un ensemble comme ça. Je ne sais pas si vous allez pas vous en souvenir, là. Mais c'est le même kit que j'avais acheté à Jade dans le 1 mois. Mais là, je l'ai dans le 24 mois. Je l'ai en spécial, donc je suis vraiment contente. Donc, des super de belles t-shirts en jeans avec un beau petit haut blanc bien cute. Sinon, je me suis équipée aussi dans les pyjamas à pattes de grandeur, soit 24 mois ou 2 ans, parce que pour vrai, Abby en a pas encore. Là. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas tout de suite, mais tu sais, je trouvais que c'était quand même pertinent de s'équiper au prix qui m'en revenait. Tu sais, c'était 16 $ plus 50% plus un 50%, donc vraiment, là, vraiment pas cher. Donc, j'ai pris celui-là. Ça va, Jade. OK, on lâche pas. Celui-là aussi, avec des petits paresseux, il est vraiment beau. J'en ai pris comme un comme ça, là, plus pour l'été. Pour vrai, là, quand il fait chaud, des grosses chaleurs, ouais, je trouvais ça vraiment intéressant pour ça. Ça va, Jeanne? On lâche pas. Même affaire, un autre comme ça, avec des petits cornets. Vraiment beau, je trouve. En manche courte. Puis sinon, un autre petit kit... d'été, là, qui, avec le t-shirt comme ça et les petites shirts. J'ai pris la même affaire pour Jade, mais comme dans une grandeur différente. Donc, on va voir un petit kit pareil. Donc, ça, c'était pour l'été prochain pour Abby. Pour Jade, là, on s'entend. Non, ça, je vais vous montrer après. Donc, comme je vous parle, le même petit kit dans le 12 mois. J'ai pris un full beau pyjama, je le trouve magnifique, en manche courte, puis sinon un petit ensemble comme ça que je trouvais, vraiment ça c'est un écouteur, là, vraiment super beau, là, des petites fleurs et des petits shorts rayés comme ça. Donc c'est pas mal ça pour Jade. Il y a moins d'affaires dans sa grandeur, comme je vous dis, elle va quand même porter ce qu'Abby met en ce moment. Je crois que c'est pas mal la fin de l'été. Sinon pour maintenant, j'ai pris comme 3 morceaux à Abby. Ça, c'est un 18 mois, tu sais, en ce moment, le 18 mois, mais sérieux, là, c'est tellement grand, là. Des fois, dans les affaires, aubainerie, elle porte encore du 9 ou du 12 mois, là, puis elle s'en va sur son 18 mois le mois prochain. Donc, tu sais, puis même avec un beau legging, tout ça, là, pour le printemps, je pense que ça va y faire. Sinon, lui, là, c'est tellement mon coup de cœur, il est tellement doux. Lui, vous allez pouvoir le retrouver, par exemple, parce qu'il n'est pas dans la section spéciale, donc il va être encore là, j'imagine.
Mais il est vraiment confort. C'est la marque Blue Mind, là, pour vrai, je l'aime vraiment. Puis ça va comme bien faire avec ça. C'est comme deux paires de leggings, un rouge comme ça, puis un. Donc, tu sais, les deux, tu sais, lui, peut-être un peu moins, là. Je vais pouvoir le mettre avec d'autres choses. Et cette étiquette-là, là, ça va être magnifique. Ouais, vraiment contente. Le chandail est 18, puis les pantalons, ben, leggings 2 pour 18 aussi. Puis celle-là était magnifique. Sérieux, je change ça. Ça, je pense que c'est un de mes coups de cœur également du lot. Et là, c'est ça. J'ai hâte de la faire. J'avais vraiment beaucoup de pyjamas newborn ou un mois, tout ça. Quand j'avais 3 mois, là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les pyjamas à habits de 3 mois, là, mais il me semble que j'en avais pas. Puis là, il n'y avait plus rien qui faisait à jambes. Donc, pour vrai, je le trouve pas beau, là, mais c'était le seul qui avait comme à mon, tu sais, comme mettons qui était en spécial. Donc, je l'ai vraiment pas payé cher. Là, je l'ai quasiment eu gratuit. Des petits jelly beans. Mon chum, il l'aime bien, moi, en tout cas. C'est vraiment pas mon préféré. Puis, ensuite de ça, j'ai été au Walmart, justement, pour des pyjamas. Parce que, pour vrai, là, je trouvais vraiment que ça faisait dur parce qu'on avait rien. Puis, j'ai pris deux kits. Dans le fond, j'ai pris celui-là avec rose avec des petits arcs-en-ciel. Mais j'ai vraiment pris pour lui. Là. Regardez quand il est magnifique. Là. Vraiment, vraiment beau. Des petits chevreuils, des petits renards. Je pense que c'est comme 12,98 pour comme deux pyjamas. Bon, lui, il est propre, lui, il est sale. Il faudrait comme juste cacher. Puis sinon, j'ai pris... ça, c'est dans la section, comme une petite section unisex, là, Walmart. Là. Puis c'est des petits pyjamas Winnie le Pooh comme ça. Ils sont full, full beaux à zip. En plus, j'aime encore mieux ça. Mais lui aussi, vraiment beau. Ouais, fait que j'ai pris deux petits, ben en fait quatre pyjamas là-bas. Comme je vous dis, ils revenaient comme à 13$ pour deux, là, c'est vraiment pas cher. Lui, il est propre. Sinon, j'ai été au Costco cette semaine et il y a eu encore des nouveaux pyjamas Pickle que je trippe dessus. Je les aime vraiment. Ils ont comme un double zip et tout. Ils sont faits un peu plus grands, par exemple, donc tu sais, il fera pas tout de suite, là, comme je porte en ce moment ceux que je vous ai montrés. C'est du 0,3 mois, je pense, chez Walmart, là. Mais c'est ça, ils sont vraiment faits plus grands et Pickle, donc j'ai mis un petit peu plus tard. Mais je le trouve vraiment beau avec une petite girafe, des petits pois. Pour vrai, là, je le sais, je suis quétaine, j'achète souvent des choses roses, mais écoutez, hein, c'est ça le fun d'avoir des filles. J'aime vraiment, vraiment le rose. Donc oui, je le trouvais vraiment beau, mais ma découverte, et je capotais pour le prix, c'est ce petit kit-là de 4 morceaux. Il y avait 3 couleurs différentes pour les filles, puis 3 couleurs différentes pour les garçons. Donc, c'est un kit de 4 morceaux. Je vous dis, là, il est 13$, OK? Vous avez comme un genre de petit chandail en genre de doudoune, là, tellement doux, là. Ma fille va capoter là-dessus. Moi, j'ai pris le modèle renard. Donc, ça vient avec deux petits leggings comme ça. Tu sais, je les trouve vraiment beaux, là, pour vrai, là. Moi, ouais, comme un genre de petit beige avec des petits renards. Puis, un cache-couche aussi. Donc, pour vrai, là, je l'ai pris dans 18 mois, là, mais je le trouve vraiment beau. L'autre, il était mauve avec une licorne, donc c'était des genres de... un mauve assez foncé. Puis l'autre, c'était un rose, qui est la doudoune, mettons, mais avec des arcs-en-ciel. Là, je suis à bout des arcs-en-ciel. Mais sérieux, je le trouve débile pour le prix, je capotais. Donc, c'est ça. Vraiment contente de cette trouvaille-là au Costco. Puis pour moi aussi, j'ai trouvé deux affaires dans les vêtements. Un t-shirt, là, bien basic, là, mais full extensible pour voir en ce moment... Comme j'ai pas retrouvé ma. Tu sais, j'ai encore une petite bédaine et tout ça. Puis on dirait que mes t-shirts sont encore plus serrés. Puis j'aime pas ça parce qu'on dirait que je suis comme encore enceinte de 12 semaines. Là. Ça m'énerve un peu. Mais ça, il m'avantage vraiment. Puis sincèrement, il est en spécial à 6,97. Il y avait jaune, il y avait orange. Enfin, des couleurs un peu flash, là, mais pour vrai, ça me fait quand même bien le jaune. Ouh! Pour vrai, je suis vraiment, vraiment très satisfaite de cet achat-là. Puis il y avait aussi des leggings pour m'entraîner. Ou juste des leggings normales, là, mais c'est plus style entraînement. J'ai pris des médiums parce que là, je ne rentre pas encore tout à fait dans mes affaires, là, bien honnêtement. Donc, j'ai pris des médiums qui étaient 12,99. Donc, sincèrement, il y a vraiment des beaux spéciaux dans les vêtements. Des fois, ça vaut la peine d'aller là-dedans si vous avez du temps. Et dernière petite affaire que j'ai faite, c'était des petites trouvailles au salon de la famille. Ça, c'est une passée l'autre d'avant. En tout cas, ça fait pas si longtemps. C'était à Sherbrooke. Donc, j'étais avec ma mère. Puis, j'ai acheté des petites choses, c'est ça, là, pour bébé. Donc, j'ai pris un jouet de dentition de la compagnie Les Créations NPA. Donc, tu sais, elle peut gruger le bout de bois ou bien les petites oreilles de lapin. Puis, tu sais, je pouvais choisir, il y avait vraiment plein de modèles, mais lui, je le trouvais vraiment beau. J'ai pris aussi une petite attache à suce, mais là, compte tenu du fait que
prends pas l'astuce pour l'instant. Ça se pourrait que je le garde puis que je le donne à une de mes amies qui va avoir un bébé un jour. Puis sinon, Ferrand, je me rééquipe d'un petit lingette lavable. Vous savez que j'utilise ça. Puis tu sais, les sels à vie, là, sincèrement, ils commencent vraiment à être usés et tout ça. Donc, bref, j'ai pris aussi des petits lingettes comme ça, hibou. Je pense que j'en ai 5 ou 10, je ne me souviens pas. Puis une autre compagnie, là, y a-t-il écrit leur nom dessus? Mais je pense pas. Dommage, je ne me souviens pas c'est qui. Mais bref, elles sont tellement belles, elles sont grandes, sont super douces. Ça, je pense que j'en ai pris 8, là, donc de différents modèles. Tu sais, des renards tellement beaux, tu sais, des beaux petits motifs. Éléphants, des petits chiens, des petits nuages, des petites souris. Donc, c'est ça pour mon haul. Pour vrai, j'étais full excitée de vous montrer. Je vais pouvoir enfin ranger, tu sais, et laver aussi. Parce que là, Abby, elle n'arrête pas de se promener avec son chandail écrit joie dessus, là. Puis, mon Dieu, elle a donc hâte de le mettre. Donc là, j'ai dit que j'allais laver aujourd'hui puis qu'elle allait pouvoir le mettre demain. Elle comprend pas vraiment, là, mais bon. ouais, voilà. Donc là, sincèrement, il faut que je m'y mette. Mais là, écoutez, elle est déjà tannée. Faudrait que je gêne aussi parce qu'il s'en vient midi. Donc voilà, je vais voir si qu'est-ce que j'ai le temps de faire. Mais il faudrait vraiment, vraiment que je me ramasse un peu. On va voir comment ça va, mais c'est ça. Là, j'ai vraiment faim. Donc, on se repart plus tard. Salut, Jade! Je voulais venir vous montrer. C'est la première fois que je mets une couche lavable à Jade. Je vais attendre qu'elle ait 2 mois pour le commencer. Puis après ça, lui, c'est vaccin. Puis, tu sais, dans le fond, il faut faire attention quand on manipule les selles, là, après les vaccins de 2 et 4 mois. Donc, je me suis dit que j'allais attendre là, que ça soit passé. Puis ensuite, on était quand même beaucoup au camping. Puis même avec Abby, j'utilise pas de couche lavable en camping. Là, vous comprendrez que c'est quand même un peu trop de choses à gérer sinon. Mais voilà. Donc, ma première expérience, c'est la compagnie... Wow! Mama Koala. Je les aime bien quand le bébé est petit parce qu'ils sont faits un petit peu plus petites. Mais comme vous savez, ma marque préférée, c'est la petite ours. Mais c'est ça, je vais commencer par mettre, tu sais, ceux-là, j'ai quelques elfes également qui sont faits un peu pour les plus petits bébés. Ou les bébés avec des plus petites cuisses. Mais tu sais, Jade, elle a quand même des bonnes cuisses aussi. Peut-être un petit peu moins qu'Abby, mais quand même. Donc, c'est ça. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. T'aimes-tu ça, les couches lavables, toi, Jade? Passez une belle journée, mon cœur. Passez une belle journée. T'arrives à la maison, maman? Bye.
Wow! Wow! Kikou! Abby, est-ce qu'on rentre dans la maison? Non. Non? On se retrouve le lendemain matin. Écoutez, je vous ai oublié hier. Pardonnez-moi, hein, j'ai perdu un petit peu la twist. Là. Et c'est ça, après le retour d'Abby de la garderie, on a joué un petit peu à l'extérieur. Puis après ça, comme vous avez pu voir, j'ai comme plié ma montagne de linge. Je vous ai montré un petit peu mon bordel de ma chambre finalement. Mais ouais, c'est ça, là, j'ai rangé tout ça. Puis après ça, il y a eu rush souper. Le bain des deux filles, bref, biberon, etc. Puis quand j'ai pensé à fermer le vlog, il était comme rendu 10h45 au dernier biberon que je donnais à Jade. Puis je me suis dit, oh, il faisait noir. Puis je dis, oh, je vais leur dire bain demain. Donc là, je vous parle dans mon sous-sol. J'espère être capable de m'entraîner. J'ai commencé, ça fait 2 semaines justement, tu sais, je me suis dit que j'allais penser à moi puis recommencer tranquillement quand j'allais avoir un petit 15-20 minutes. Là, mon chum est là aujourd'hui, donc justement, il vient d'aller jogger. Donc sur ça, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous êtes contents là, que je recommence mes vlogs. En tout cas, moi, vraiment excitée. Puis c'est ça, si jamais vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, je vous invite à le faire. Donc comme je vous dis, là, les prochaines vidéos, on repart sur mon quotidien, ma vie de maman, comment ça se passe dans ma vie et tout. Donc voilà, alors on se dit à bientôt. Bye bye!